l'endroit le plus important de la planète. Salutations, nous sommes le Conseil des Arcturiens. Nous sommes heureux de nous connecter avec vous tous. Nous vous avons observé, nous avons été témoins de votre croissance et de votre évolution, et bien sûr, nous avons aussi quelques commentaires à faire sur ce que vous vivez sur Terre. Nous voyons à quel point l'humanité peut être belle dans son désir de s'aider les uns les autres et dans sa volonté de compatir avec ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Nous voyons chaque catastrophe que vous vivez sur Terre comme une nouvelle occasion pour vous d'accroître la compassion que vous avez en vous. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion de pardonner. Lorsque vous pardonnez, vous faites beaucoup de bien à vous-même et aux autres. Et lorsque vous ne pardonnez pas, lorsque vous vous accrochez au ressentiment et à la colère, vous vous faites du mal et tous ceux qui vous entourent sont affectés par le fait que vous vous faites du mal. Il y a donc un effet d'entraînement qui est à la fois positif lorsque vous faites preuve de compassion et négatif lorsque vous gardez du ressentiment, de la colère et même de la haine. Même si vous pensez que vous vous en sortez bien en ne disant pas à cette personne que vous êtes en colère contre elle ou que vous la détestez, vous ajoutez quelque chose d'une vibration inférieure à la conscience collective. Ainsi, tout le monde est affecté. Vous avez une responsabilité envers vous-même qui affecte également tous les autres. Lorsque vous assumez cette responsabilité et que vous prenez soin de votre royaume intérieur, c'est le moyen le plus rapide de changer les choses sur la planète Terre. Ce n'est pas par l'action ou les mots, ce n'est pas par des messages ou des vidéos, c'est en prenant soin de votre propre jardin. Et ce que nous voulons dire par là, c'est que lorsque vous accédez à ce qui se passe en vous, que vous éliminez ce qui est de basse vibration et que vous le remplacez par ce qui est de plus haute vibration, vous affectez l'ensemble de l'humanité d'une manière que vous ne pouvez pas voir ou comprendre. Par conséquent, la priorité absolue pour vous, chaque jour, doit être de prendre soin de votre royaume intérieur. C'est l'endroit le plus important sur Terre. C'est l'endroit le plus important au sein de la Source. Et la Source le sait. Et vous avez été conçu pour ressentir pleinement vos sentiments, afin de remarquer quand vous vous faites du mal ou que vous faites du mal aux autres. Et vous avez également été conçu pour ressentir quand vous faites quelque chose de bien pour vous et ou pour les autres. C'est pourquoi il est toujours si important de ressentir ces sentiments. Si vous en ressentez un, vous finirez par tous les ressentir. Vous envoyez ces ondes, que vous le vouliez ou non, mais lorsque vous envoyez une onde volontairement, avec l'intention, avec le désir, vous pouvez sentir à quel point vous êtes puissant. Et vous êtes les artisans du changement. Vous êtes là pour créer, co-créer une terre meilleure pour tous. Et vous n'avez pas été créé pour attendre que quelque chose vous emmène vers cette terre meilleure, comme certains pourraient le croire. Passez du temps, chaque jour, à aller à l'intérieur et vous changerez le monde. Vous vous sentirez mieux et très probablement, vous aurez besoin de faire moins d'actions, ce qui est toujours agréable, parce que quand vous avez besoin de faire moins, alors vous pouvez faire plus de ce que vous voulez faire et nous voulons que vous profitiez du reste de votre voyage dans la cinquième dimension. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre.